Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Train Simulator 2018. Aujourd'hui, nous assurons un service de nuit. Nous assurons le train Talgo sur la ligne Berlin-Leipzig. Et le Ramtalgo, c'est surtout connu pour être un train espagnol, mais il y a également eu un dérivé allemand. Et c'est un ensemble de voitures qui a été modélisé par 3D Zug. Le pack est sorti là il y a quelques jours, si je ne dis pas de bêtises. On s'intéressera plus en détail aux voitures lorsque nous serons d'ici quelques instants en gare de Berlin-Hausbahnhof, car on aura un meilleur éclairage tout simplement. On en reparle plus en détail dans quelques instants une fois arrivé à Berlin. La locomotive pour ce scénario, c'est un scénario qui est fourni avec le pack, je tiens à le préciser, c'est la BR-189 de chez VR. Sachant que les scénarios sont doublés à chaque fois, il y a une version avec le matériel VR et une version avec le matériel DTG, ce qui est plutôt intéressant. Alors, est-ce que nos passagers embarquaient? Non, pas tout à fait. Alors, j'ai le temps de vous présenter rapidement la locomotive. Donc, locomotive à l'allemande, hein, la radio tout à fait à gauche, l'écran ici avec la tension et l'intensité, l'écran type TCS avec l'indicateur de vitesse, indicateur d'effort, indicateur de retenue, indicateur PZB et LZB, et AFB évidemment. Sur la droite, les horaires, je n'ai pas configuré. À gauche, la partie traction avec le levier de gauche, c'est le levier AFB, le levier qui est à droite, le levier de traction. J'ai oublié de parler à gauche, on a les boutons pour le PZB ici, pour acquitter. Et à droite, la partie freinage avec le freinage électrique, le frein dynamique, donc le frein de train, le frein direct de la locomotive à droite. Et en dessous, la grosse pédale, c'est pour le ZIFA, la petite, c'est pour l'avertisseur. On va verrouiller nos portes. Ah oui, puis les boutons au centre, en dessous du compteur, ce sont principalement les boutons pour l'éclairage et le verrouillage des portes, entre autres. Et nous partons. Partons donc vers Berlin, vers la gare centrale, qui sera notre premier arrêt. Et ensuite, je vous épargnerai le nom des gares, étant donné mon niveau d'allemand approximatif, mais il y a les annonces à bord du train. Je crois que c'est Berlin et Wittenberg, il me semble, nos arrêts, mais vous écouterez l'annonce et vous aurez la confirmation. Alors normalement on arrive sur une zone limitée à 120, mais étant donné que l'arrêt est relativement proche et qu'on va avoir une réduction je crois à 90, on va régler l'AFB sur 90, on va anticiper un petit peu. Son pareil plus.
Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie sehr herzlich in der City Nightline 1258 auf der Fahrt nach Zürich. Dieser Zug hält unterwegs zum Zustieg in Berlin. Hauptbahnhof Südkreuz, Lutherstadt Wittenberg, Bitterfeld, Halle, Saale Hauptbahnhof, Naumburg, Hauptbahnhof Weimar, Erfurt, Frankfurt am Main, Süd, Mannheim, Heidelberg, Bruchsal, Karlsruhe, Offenburg, Freiburg, Basel-Badischer Bahnhof und Basel-SBB und Zürich erreichen wir voraussichtlich 9.17 Uhr. Beachten Sie bitte, dass dieser Zug mit einer geänderten Wagenreihung fährt. Das bedeutet für Sie, dass, falls Sie reserviert haben, diese Reservierungen leider falsch angezeigt werden im System. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an das Zugpersonal, insbesondere die Personen, die einen Liegewagenplatz oder einen Schlafwagenplatz reserviert haben. Es sind trotzdem ausreichend Plätze da, also keine Angst, niemand wird auf der Toilette schlafen müssen. Der nächste Halt ist zum Zustieg Berlin Hauptbahnhof und wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ok, alors c'était bien 90 la limite en fait. Donc le ralentissement c'était pour 200, pour 120 à 90. On va pas rouler aussi vite, on va se mettre à 70 puisqu'on est relativement proche de la gare. Pas, on va se mettre en marche sur l'air parce qu'on a à peu près un kilomètre. Et vous venez donc d'entendre l'annonce. Alors dans le scénario, c'est un train pour Zurich, je crois. Ah oui, c'est mon FB qui m'a mis en freinage, ok. On tire donc jusqu'à la pancarte H qui est la tête de train en fait. Et nous allons prendre un petit moment pour inspecter, enfin regarder un petit peu les voitures. Parce que là on est sur la gare souterraine, on a de l'éclairage. Ok, parfait, on déverrouille nos portes. Hop, on règle les phares. Voilà, sur moyen, c'est parfait. Ah non, ils y sont pas. Voilà. Donc, on va prendre un moment. On va prendre la caméra libre, je pense, c'est le plus simple. Donc, on a dans un premier temps, évidemment, il y a l'escalier qui gêne. La voiture, une voiture... dite technique où il y a notamment, vous le voyez, un compartiment pour les vélos. Ensuite, si je ne me trompe pas, il s'agit d'une voiture d'un compartiment de couchette. On va voir ça de l'autre côté. Alors, c'est pas évident. Ouais, c'est ça. Donc, il y en a quelques-unes. On va aller regarder l'extérieur, ça sera plus simple. Bon, il y a le départ qui est donné, on va pas partir tout de suite. Nous avons les différentes inscriptions, le nom des voitures, la taille, etc. L'homologation notamment par rapport à la vitesse. Alors ce qui est un peu surprenant, est-ce qu'on va le voir sur celle-là, c'est que elles sont homologuées pour 140 km/h. Alors il y a le quai qui gêne un peu malheureusement. Est-ce qu'on va réussir à le voir? C'est pas sûr. Voilà, on le voit là. Donc 140 km/h, alors que à la base c'est le Talgo 200 qui est apte à 200 km/h avec un système pendulaire.
Également, alors je sais pas si le système pendulaire a été gardé sur la version allemande, peut-être pas, ce qui pourrait expliquer la réduction de vitesse. Ensuite, vous voyez qu'on a entre guillemets un bogie commun pour chaque voiture. C'est un bogie commun à deux voitures, pardon, un peu comme sur le TGV. Sachant que sur la version espagnole, c'est des roues indépendantes, il n'y a pas de liaison mécanique, il n'y a pas d'essieu si vous voulez. Et sur la version espagnole, il y a un système d'adaptation de l'écartement pour pouvoir emprunter à la fois les voies à écartement international, donc 1m435, et les voies à écartement ibérique, c'est 1m68. Je sais plus quel est l'écartement exact, mais en tout cas ce train avait l'écartement adaptatif et pouvait circuler sur les deux réseaux. On a les pancartes pour les destinations. Alors je crois que là ça y est pas, mais on peut régler ça de manière dynamique. Alors on en est où là? C'est toujours les... Non, ça doit être... voilà, là on a une voiture à siège, tout simplement. Une voiture un petit peu club. On a normalement juste à côté le restaurant. Oh, non, c'est encore des voitures à siège. Alors, c'est laquelle? Voilà, c'est ça. On a la voiture restaurant dans laquelle on a une vue intérieure. D'ailleurs, on va passer dessus. Comme ça, on aura les sons. Alors, il y a des vues intérieures dans deux voitures uniquement. Celle-là. Et là, une voiture à siège, mais pas toutes. Et je crois que sur ce scénario... Ouais, sur ce scénario, on a... Ah non, on a les deux. On a les deux voitures. Donc, voiture restaurant ici. Et, comme je le disais... Ah, faut que j'y arrive. Hein. Voilà. Également la vue sur la voiture à siège. Alors, il y a eu 9 voitures de modélisées. Alors moi j'aime pas trop ça, vous voyez les passagers en vue intérieure, étant donné qu'ils sont pas animés, c'est... Alors c'est sûr que lorsqu'on regarde le train depuis l'extérieur, c'est un peu plus sympa, mais en vue intérieure, encore on serait sur TSW, ce serait normal, sur TSW les passagers sont animés, mais je trouve que ça gâche un peu la modélisation, et c'est pareil, en voiture restaurant, vous en avez aussi, il me semble, et bon... C'est sûr que de l'extérieur, c'est plus sympa. Avec l'éclairage et tout, ça fait quelque chose d'un peu plus vivant. Mais moi, je trouve ça un peu dommage sur les vues intérieures. Bon, moi, je préfère les vues intérieures où il n'y a que la modélisation. Il y a donc 9 voitures de modélisées, à savoir des voitures à compartiment couchette, des voitures lit, des voitures à siège, la voiture restaurant, la voiture réception et les voitures... machinerie entre guillemets, les voitures techniques qui se trouvent aux extrémités du train. On l'a pas sur celui-là, mais également à rajouter. Alors, j'aimerais bien reprendre ma vue. Voilà. À rajouter également les wagons porte-auto que j'ai pas sur ce scénario-là, mais que nous avons également. Donc là je les ai pas, mais il y a des wagons porte-auto de l'ADB qui sont intégrés. Alors ce train là, le Talgo allemand, donc il a circulé entre 1994 et 2009. Lors des dernières années d'exploitation, le service, donc qui se nommait je crois initialement Intercity Night, qui était plutôt des relations internationales, le matériel a été ensuite réutilisé dans les City Nightline, puis dans le service Nartzug, pour le service intérieur allemand, et le service s'est arrêté en 2009. Alors, il y a un petit défaut quand même, c'est que vous voyez là, on est donc en gare de Berlin, il y a de l'éclairage, et ça annule un peu l'éclairage de l'intérieur du train, alors que vous verrez tout à l'heure, lorsqu'on sera bien dans le noir, on verra bien l'éclairage du train. On le devine un peu là quand même, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. L'éclairage du train ne se remarque pas bien lorsqu'on est en gare, mais il n'y a pas de souci, il est bien visible lorsqu'on est à l'extérieur des gares. Alors de mémoire, il y a, je crois, 4 scénarios de proposer, 2 sur Berlin-Leipzig et 2 sur Hambourg-Hanovre. Et puis après, vous avez des matériels inclus dans l'éditeur, donc vous pouvez vous créer votre propre scénario. Et à chaque fois, en fait, il y a 4 scénarios différents, mais en réalité, il y en a 8, puisque vous avez 2 scénarios avec les locomotives de chez VR, à savoir la BR-189,
Et vous avez également deux scénarios avec, donc les mêmes, hein, avec la BR-189, deux DTG. C'est-à-dire que ce scénario-là, si je n'avais pas le matériel de chez VR, je pourrais quand même l'utiliser avec le matériel de DTG. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc voilà, bel effort quand même d'avoir doublé les scénarios pour les personnes qui ne possèdent pas le matériel VR. On va repartir. On va régler l'AFB sur 120. Alors le choix de la BR-189 peut paraître un peu un petit peu bizarre, étant donné que c'est une locomotive orientée pour le fret principalement. Mais étant donné que les voitures ne sont homologuées que pour 140 km/h, ce qui correspond à la vitesse maximale de cette locomotive, eh bien au final c'est plutôt un bon choix, puisque donc les voitures alors c'est assez bizarre parce que les voitures Talgo sont limitées à 140, par contre les wagons Porto-Auto eux sont aptes à 160. Donc voilà, 140 km/h, c'est pas un problème avec cette locomotive là et cette composition là, puisque les voitures sont donc limitées à 140 km/h, et puis c'est une locomotive assez puissante, donc c'est plutôt judicieux de l'avoir mise. Je sais pas si en vrai c'était cette locomotive qui était utilisée ou non, peut-être avec les compositions Porto-Auto, puisque ça alourdit quand même pas mal le convoi. Sinon il y a de fortes chances que ce soit la BR-101 qui soit en réalité utilisée avec les compositions sans les Porto-Auto comme nous avons ici. Mais il n'y a pas de scénario de prêt avec la BR-101. Oh, quoi que je vais laisser les pleins phares. Ah, j'ai dû dépasser la pancarte H. C'est pas grave, on s'est arrêté au pied du signal. La zone en LZB avec cette locomotive là, c'est pas très très utile puisqu'on roule de toute façon à une vitesse inférieure à 160 km/h, donc logiquement on n'a même pas besoin d'avoir le LZB sur la locomotive. Mais ça apporte un petit confort, notamment sur les vitesses limites. Le respect des vitesses limites, du coup, c'est quand même agréable de l'avoir, même si, étant donné qu'on roule à moins de 160 km/h, ben, normalement le LZB n'est pas du tout obligatoire. C'est surtout pour les services qui circulent à 200, 220 par exemple, là c'est indispensable.
On va écouter le son quand même un petit peu de l'extérieur. Meine Damen und Herren, wir begrüßen auch alle in Berlin-Südkreuz zugestiegenen Fahrgäste in der City Nightline 1258 bzw. im Intercity Night 1258 auf der Fahrt nach Zürich. Bitte beachten Sie, dass dieser Zug mit einer geänderten Wagenreihung verkehrt. Sollten Sie reserviert haben, gerade in den Liegewagen oder in den Schlafwagen, bitten wir Sie, dass Sie sich an das Zugpersonal wenden, denn die Reservierungen werden Ihnen hier leider falsch angezeigt aufgrund der geänderten Wagenreihung. Wir fahren heute mit einem Zug bestehend aus Talgo-Wagen in Intercity Night-Lackierung. Das heißt, das ist fast eine Traditionsfahrt. Freuen Sie sich drauf. Wir haben nicht mehr viele von diesen Zügen und genießen Sie die Fahrt. Der nächste Halt des Zuges wird zum Zustieg noch in Lutherstadt-Wittenberg sein und anschließend in Bitterfeld. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Bon, nous avons eu l'annonce du contrôleur, hein. J'ai compris que c'était un Intercity Night pour Zurich, mais après le reste, je suis incapable de traduire. Bon, entre temps, on a le LZB qui s'est armé. Alors le LZB, j'en ai déjà parlé sur la vidéo aux commandes du Railjet, entre Munich et Augsbourg, pardon. Donc, c'est relativement simple. Nous avons... Je peux pas zoomer plus malheureusement. On va se remettre comme on était, on est bien. Sur la gauche, on a un écran avec la distance. Donc c'est la distance de la prochaine instruction. Sur le côté du compteur, le petit repère un petit peu mauve, là c'est notre limite de vitesse. Donc le repère qui est sur l'extérieur du compteur. Le repère à l'intérieur, c'est l'indicateur AFB. Alors, l'avantage c'est que bon là on a la vitesse maximale de la locomotive, mais l'avantage d'avoir l'AFB avec le couplet avec le LZB, c'est que je ne pourrais pas, par exemple si la limitation redescend à 120 ou à 80, et eh bien l'AFB va se réajuster automatiquement sur la vitesse limite. On ne pourra pas régler l'AFB à une vitesse supérieure à la vitesse limite. Bon là de toute façon on est à la vitesse limite de la locomotive, mais vous verrez tout à l'heure. La vitesse qui est inscrite en dessous 140, c'est pas ma limite actuelle, ce sera la limite dans 7000 mètres. Donc en fait c'est à faire correspondre avec la distance qui est sur le côté. Donc il se trouve que là c'est la même limite. De toute façon, alors je vais regarder, mais est-ce qu'on est toujours... Ouais voilà, vous voyez en fait là on est sur une zone 200, je vais laisser un peu le HUD. Vous voyez que là on est sur une zone 200. Donc nous on peut pas parce que notre train c'est 140 km/h maximum, mais du coup on a deux fois la... on est censé avoir une réduction de vitesse à 140 dans 7000 mètres maintenant, encore plus même parce que ça n'a pas encore... la distance ne s'est pas encore réduite, et donc pour nous il n'y aura pas de ralentissement, mais c'est tout simplement pour les trains autorisés à 200. Eux ils ont un ralentissement sans doute à 160, et voilà tout simplement. Donc la vitesse qui est en dessous, c'est la vitesse à respecter pour la distance indiquée sur la gauche. Alors là c'est l'afficheur, là c'est l'afficheur moderne du LZB. Donc en gros, pour faire simple, c'est le même affichage que le système TCS. D'ailleurs ce pupitre là doit être compatible TCS également. Et on a des affichages un petit peu plus anciens, mais globalement on retrouve la même chose. Simplement d'habitude, en fait, sur les anciens systèmes, notamment sur la BR101, c'est inversé. C'est-à-dire que le compteur de vitesse se trouve à droite, l'indicateur d'effort et de retenue se trouve à gauche, et l'indicateur de distance, là, qui est tout à gauche du compteur de vitesse, se retrouve au milieu. Mais bon, au final, c'est exactement le même système. Et vous voyez donc qu'on a l'indication LZB qui s'est affichée ici
à la place de PZB. Et nous avons sur la gauche là, le petit voyant, l'espèce de U avec un tréma qui s'est allumé. Alors c'est pas réellement à faire, surtout avec un train lourd, mais là si la... Alors, c'est pas le cas, mais si jamais la prochaine vitesse limite est de, je sais pas, 120 ou 80 km/h, eh bien le train est capable de ralentir tout seul. Alors je n'ai pas testé encore avec cette locomotive, c'est pas recommandé de faire ça. L'accélération, on peut laisser le système le faire. Le freinage, il vaut mieux le faire soi-même et ensuite re-régler la FB sur la nouvelle vitesse limite. Alors la ligne Berlin-Leipzig, ou Leipzig, je ne sais pas exactement comment il faut prononcer, elle est plutôt sympathique de lui, notamment au niveau des gares. Par contre, il y a toujours on a beau être en pleine nuit, vous ne le verrez peut-être pas grâce à la compression YouTube qui va peut-être m'aider pour une fois, c'est qu'il y a toujours, on a toujours l'impression de voyager alors que c'est la pleine lune. On n'est jamais totalement dans la nuit noire. Alors ça dépend des lignes. Certaines lignes sont parfois, on arrive à vraiment être de nuit. Mais notamment sur celle-là, et c'est pareil pour Hambourg-Hanovre, on n'est jamais totalement, et Hambourg-Lübeck également, on n'est jamais totalement dans le noir. On a vraiment l'impression que c'est la pleine lune en permanence. Dérangement, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être l'antipatinage, rien de bien grave. Ça arrive de temps en temps. Et pour le coup, avec la compression YouTube, je pense que vous verrez bien un ciel noir et pas un ciel légèrement éclairé. L'indicateur de distance est toujours sur 7000 mètres, hein, ça veut dire que, entre guillemets, la réduction de vitesse, alors pour nous ça sera un maintien, mais la nouvelle instruction est à plus de 7 km. L'affichage, lorsque c'est au-delà de 7 km, il vous montre 7000 mètres. Et quand c'est en dessous, vous voyez en temps réel la distance qui vous reste. Puisque évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais le LZB, c'est un petit peu comme la TVM en France, c'est un système à influence continue. C'est-à-dire qu'en permanence, vous savez à quelle vitesse vous devez rouler et surtout, vous connaissez la distance exacte du niveau de la nouvelle instruction. Alors, ce qui n'est pas vraiment le cas pour la TVM en France. Et là, on le voit pas parce qu'on roule de nuit, mais c'est un système par induction, un câble au milieu de la voie. Et donc je l'ai déjà dit, mais au niveau de l'affichage, c'est similaire au niveau système européen ERTMS, ETCS. Il y a des choses en plus, je crois, sur le système ETCS. Les gares sont vraiment sympas de nuit, l'éclairage est vraiment bien. Donc oui, au niveau de l'affichage ETCS, il y a, je crois, sur le contour de l'indicateur de vitesse, on voit la vitesse à laquelle on aller et surtout un système de courbe de freinage lorsqu'il y a un ralentissement, le système se réadapte en permanence, mais c'est un peu le cas aussi également sur le LZB. Par contre c'est deux technologies différentes puisque le système ETCS fonctionne par radio alors que là c'est un système par induction, on va dire. Un petit peu en vue, alors c'est un peu risqué pour moi de faire ça, j'espère que je vais pas avoir d'indication à PZB à quitter, normalement non.
On entend le son de roulement en arrière-plan, c'est plutôt bien travaillé. Est-ce qu'on peut passer dans cette voiture-là? Oui. Bon, la modélisation est pas trop mal. Moi, ça, je me répète, mais ça me gêne un peu, moi, ces personnages dans les vues intérieures. Ils auraient pu faire en sorte de mettre des personnages uniquement dans les voitures où il n'y a pas de vue intérieure. Parce qu'il n'y a que deux voitures avec vue intérieure, donc ils auraient peut-être pu... dans les voitures où il y a des vues intérieures, ils auraient pu ne pas modéliser de passagers. Ça aurait été plus agréable. Vous voyez, là, on apprécie mieux quand même la texture. Ça fait moins... Ça dénature un petit peu, je trouve. Bon, écoutez, la modélisation me paraît pas trop mal. Après, c'est pas un train que j'ai emprunté, donc je connais pas plus que ça. Peut-être un petit peu les fenêtres, là, c'est peut-être un peu limite, là, au niveau de modélisation. Mais on va dire que sinon, c'est plutôt correct. 3D Zoug... nous a habitué à pire. Finalement, si je devrais trouver un défaut sur ce pack, ça va être, je pense, le prix. De mémoire, c'est 20 euros, 24 euros, je crois, sur 3D Zoug. Voilà, est-ce que la modélisation vaut ce prix-là? Alors, ok, hein, il y a, faut quand même pas l'oublier, il y a 9 voitures différentes, dont 2 avec des vues intérieures. Il y a les wagons porte-voiture avec différentes variantes, on en a deux je crois, deux ou trois. Donc il y a pas mal de choses, il y a 4 scénarios qui sont doublés, donc à chaque fois un scénario avec le matériel DTG de base, un autre avec le matériel VR, comme ici. Bon, scénario sur uniquement Bouranov, Berlin, Leipzig. Alors, ils auraient peut-être pu faire un scénario sur Munich-Rosenheim, puisqu'il y avait une relation qui circulait en partie sur cette ligne-là. Je pense que Munich-Rosenheim étant une ligne relativement courte, je pense qu'ils ont privilégié les lignes les plus longues, à savoir Berlin-Leipzig et Hambourg-Hanovre. Bon, après, il y a moyen de se faire des scénarios maison sur d'autres lignes. Donc, on va dire que c'est... Pour ça, c'est plutôt un bon point d'avoir 4 scénarios à chaque fois avec les différents types de matériel. Au niveau des compositions, on en a des toutes prêtes dans l'éditeur. Donc là aussi, c'est bien, on ne s'embête pas à faire sa propre composition, même si rien ne l'empêche, bien entendu. Mais voilà, est-ce que la modélisation, notamment en vue intérieure, est-ce que ça vaut 24 euros? Après, les sons sont très bons. Même pas oublier aussi ce bon point là. L'éclairage du train est bien. On a l'afficheur de destination, même si là je crois qu'il n'est pas programmé, qu'on peut programmer de manière dynamique. Donc là aussi c'est un bon point. Maintenant voilà, il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment être fan de ce type de train, du Talgo. On approche d'un arrêt, on approche également du changement de vitesse
Pour nous, ça sera, on restera à 140. Enfin, on ralentira quand même parce que l'arrêt approche. Et alors, je sais pas du tout si on est reçu sur signal fermé ou signal ouvert. Enfin, on va se méfier parce que potentiellement, on peut être reçu avec un signal ouvert. Donc, on va éviter de louper l'arrêt. Rester à 140, mais les trains qui sont à 200 km/h, eux doivent réduire à 160. On va même réduire notre vitesse puisqu'on est à 4 km de notre gare. J'ai ralenti un peu tôt, c'est pas grave.
Damen und Herren, wir begrüßen auch die in Lutherstadt Wittenberg zugestiegenen Fahrgäste im City Nightline 1258 bzw. Intercity Night 1258 auf der Fahrt nach Zürich. Wir fahren mit einer geänderten Wagenreihung, das heißt die Plätze, die Ihnen ausgewiesen sind auf den Fahrkarten, wenn Sie reserviert haben, sind leider so nicht gültig. Wenden Sie sich bitte in diesem Fall an das Zugpersonal. Der nächste Halt des Zuges wird zum Zugstieg Bitterfeld sein. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Zeitung an 1258, bitte kommen. 1258 hört. Dein Feierabend naht. Bitterfeld ist nicht mehr weit. Die Ablöser steht auch schon bereit und wartet. Es läuft alles wie geschmiert heute. Ja, so sollte es auch sein. Alors là, théoriquement, l'ASB et le LZB, là, normalement, peuvent arrêter le train. Bon, on va le faire manuellement. Donc, en théorie, si j'avais laissé mon ASB engagé, le train aurait marqué l'arrêt tout seul. Ah, le H est là. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde.